septembre 2023. On est parti pour le tour du Mont Blanc en 6 jours. Donc 6 étapes. Aujourd'hui, on va attaquer la première étape. Donc on va partir des Ouches et on ira jusqu'au refuge de Balme. Donc une journée d'environ 6h30 de marche, de mémoire 23 km et 1300 mètres de dénivelé. Donc cette année, c'est avec Mathieu que je fais ça. Voilà, donc on a décidé cette année de faire différentes variantes. Hâte de découvrir tout ça et de vous faire partager les paysages. Thank you.
Jour numéro 2, donc nous sommes le 3 juillet, donc nous partons là, direction le refuge Elisabetta en Italie. Alors on devait passer par le refuge Robert Blanc, mais il s'avère qu'il y avait énormément de neige et encore 3-4 jours, donc on prend pas de risque parce que c'est un parcours très technique. Donc on va prendre un itinéraire classique en faisant la variante du col des Fours. Deux cols à faire aujourd'hui, le col du Bonhomme et le col de Seigne. Allez, à tout à l'heure. Voilà, col des Fours, point culminant de la journée, pratiquement 2700, exactement 2685 mètres. Merveilleux et surtout magnifique.